Ce qui m'angoisse, c'est l'idée de mourir. Tout vient de là. Vouloir chasser ses peurs, c'est sans doute la pire des choses à faire. Comme avec tout sentiment désagréable, ça ne va faire que les amplifier. À l'origine, ceux qui n'avaient pas assez peur se faisaient dévorer. Et ceux qui étaient trop angoissés mouraient de faim. Ceux qui avaient un bon degré d'anxiété survivaient. Quand on est angoissé, c'est difficile de se dire « n'aie pas peur, il n'y a aucun danger, regarde, il n'y a rien sous le lit, ni dans l'armoire, il n'arrivera rien. » L'anxiété ne diminuera pas. On a beau avoir vérifié 3 fois, on est sûr que le monstre sera là la 4e fois. Et donc, on a peur. Quand la panique s'empare de moi, elle me submerge totalement. Ça peut partir de rien. Avant, quand je faisais de l'exercice, mon rythme cardiaque s'accélérait. Et cet état d'excitation peut être interprété par le cerveau comme une réaction de peur. Une fois, à la salle de sport, j'étais tellement stressé que j'ai été pris d'une crise d'angoisse soudaine. J'ai essayé de me calmer sans succès. Personne n'a rien remarqué. Je suis allé m'asseoir aux toilettes et je suis resté planté là. J'étais tétanisé. C'était comme... j'étais en détresse. La première chose qu'on constate chez la plupart des patients anxieux, c'est qu'avec le temps s'installe la peur d'avoir peur. Mettons qu'une personne fasse une crise d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle va tenter d'éviter au maximum tout ce qui pourrait la conduire à revivre un tel état de peur panique. Et c'est sur cette base que peut se développer un trouble anxieux. Il y a 2 semaines, j'ai fait une crise d'angoisse chez moi. Depuis, je me sens mal. Je ne suis pas retournée à la fac. Maintenant, j'ai peur de plus y aller et de lâcher à nouveau mes études. Combien de fois par mois avez-vous ce genre de crise? La première fois que c'est arrivé, c'était il y a quelques années avant la rentrée. Mais ce n'est pas trop fréquent. Se débarrasser de son angoisse peut être compliqué. Parce qu'au moment où on croit qu'elle a disparu et qu'on se demande ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire, d'autres problèmes font souvent surface. Bien entendu, lors du processus thérapeutique, l'objectif de la plupart des gens est de dépasser cette peur. Mais il faut aller plus en profondeur pour voir quels problèmes se cachent derrière. Le ou la thérapeute demande « Quel est le but de votre venue ?» Pendant longtemps, je répondais « Je suis malheureux et je veux être plus heureux. » Je ne disais pas « J'ai peur et je veux être courageux. » Parce que je trouvais que j'avais fait plein de choses courageuses. J'ai été hospitalisé 4 fois, durant plusieurs semaines. Ce qui est ressorti à la clinique, c'est que j'avais vécu une enfance traumatisante. J'ai continuellement subi un traitement. Ma mère me maltraitait psychiquement et physiquement. Et mon père faisait comme si de rien n'était.
Ma mère devenait violente et incontrôlable quand elle était dépassée. Je souffre de la peur des hauteurs. Ça me prend quand je me retrouve dans un lieu relativement élevé, comme une passerelle dans un centre commercial ou dans un immeuble de bureau. J'ai l'impression d'être attiré vers le vide et que si je m'approche de la balustrade, je vais passer par-dessus et tomber. D'en bas, ça paraît simple. Oui, c'est simple. On va juste monter et rester sans bouger. Ouais. Tout simplement. Ouais, tout simplement. On y va ? Super. On va simplement traverser à pas rapide. On y est. Un pied devant l'autre, et on avance, on continue, on ne s'arrête pas. Et ensuite, oui. On peut s'arrêter si vous voulez. C'est super. Génial. On est là depuis un moment et il s'est rien passé. Mais ça démange pas mal, pas vrai? Pas d'inquiétude, c'est normal. Super. On reste là. C'est très bien. Sans se tenir. J'aime beaucoup travailler avec ce genre de patients, parce qu'on va parfois très loin. La plupart d'entre eux peuvent espérer voir leur anxiété s'atténuer nettement. Ils sont surtout en mesure, en cas de crise d'angoisse, de la gérer d'une toute autre manière, plus saine et plus efficace. On s'est connus à la clinique de Bad Kissingen. J'étais hospitalisée pour un burn-out. On est tombés amoureux très vite. J'ai vu toute la virulence de ses crises d'angoisse pour la première fois quand Jens m'a demandé d'être là au moment où il ouvrirait sa facture. Il s'est replié sur lui-même, il n'arrêtait pas de trembler. Il éprouvait une peur panique que je connaissais qu'à travers mes lectures. C'est là que j'ai compris. Waouh,
Ce qui se passe est vraiment énorme. De quoi on a besoin? D'ail. Je crois qu'on fait avant tout preuve d'ouverture d'esprit. On s'encourage mutuellement à discuter ensemble. On peut parler de tout, c'est notre plus grande qualité. Nos parcours personnels ont fait de nous des gens qui réfléchissent à leurs actes. Ça nous a beaucoup aidés à nous ouvrir aux autres et à toujours aller de l'avant. Quand on vit à 550 km l'un de l'autre, ça crée une vraie distance que ni Skype ni le téléphone ne peuvent combler. On peut se rapprocher qu'en restant en communication. Sans quoi, ça ne fonctionne pas. Salut ma puce. On se revoit la semaine prochaine, d'accord? Le chien est déjà casé. Super. Donc je viendrai. Oui. Il veut sans cesse être rassuré et demande « Tu restes ?» Allez, file maintenant. Parfois, Jens interprète mal certains mots. J'ai l'impression que des fois, ça sonne à son oreille comme « Tu veux me quitter ?» Alors c'est mon rôle de clarifier les choses. Non, je ne veux pas. Salut Mika. À bientôt. Fais attention à toi. Salut. Les pires choses arrivent dans nos têtes. On s'imagine toujours le pire. On vit davantage de choses graves en pensée qu'il n'en arrive réellement. Nous tous. On dit, le petit va se faire écraser, il faut l'avoir à l'œil. Aucun de nous ne s'est fait renverser. Mais nos parents ont tous redouté que ça arrive. Ce qui m'aide actuellement, c'est de prendre conscience que j'angoisse. C'est vrai, c'est rien. Mais parfois, c'est difficile. Quand je panique vraiment, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça n'arrive plus trop souvent. C'est moins fréquent. J'avais 10 ans, j'avais regardé Les Dents de la Mer et comme plusieurs personnes, je pense, j'avais du mal à me baigner en mer après. Mais en grandissant, je pensais que je m'étais un peu débarrassé de cette peur. J'avais fait quelquefois de la plongée, ça se passait bien. Et il y a environ 6 ans, j'étais en vacances à l'étranger avec des amis. On était en bateau et mes amis étaient allés à la plage à la nage. Moi, j'avais voulu rester quelques instants dans le bateau et j'ai voulu les rejoindre après. La plage était à 100 mètres. Et alors que j'étais en train de nager, je ne voyais pas ce que j'avais en dessous de moi. Et là, subitement, je me suis senti très mal parce que j'ai eu une image des Dents de la Mer qui m'est revenue en tête. Et là, du coup, mon cœur a commencé à s'accélérer, ma respiration aussi. Je commençais à avoir peur de ne pas voir ce qu'il y avait en dessous. J'ai accéléré la cadence, mais au plus j'accélérais, au plus mon cœur augmentait son rythme, au plus j'avais du mal à respirer, les muscles commençaient à vraiment me faire très mal. Et c'était la seule fois où j'ai fait une attaque de panique, et c'était vraiment très, très, très désagréable à vivre.
Il y a beaucoup de patients qui viennent en demandant à ce qu'on les débarrasse totalement de l'anxiété, comme si c'était qu'une et demie l'anxiété. Alors un des travaux à faire, c'est de pouvoir leur faire comprendre que ce n'est pas forcément une ennemie, qu'il faut juste arriver à la contrôler et que c'est essentiel à leur vie. Et quand ils arrivent à finalement, quand certains arrivent finalement à pouvoir comprendre ça, que l'anxiété, ça peut les aider dans certaines situations, pour le peu qu'elle soit modérée et appropriée. Ça, c'est vraiment très intéressant à voir finalement, de se rendre compte qu'ils ont le droit d'être anxieux de façon adaptée et qu'il ne faut pas chercher à tout prix à se débarrasser de toute anxiété. Enfin, j'ai un gros trouble anxieux, je stresse dans tout un tas de situations, notamment lorsqu'il faut me déplacer. C'est une forme d'agoraphobie, mais qui chez moi, à un moment donné, pris une forme un peu trop oppressante, qui m'empêchait de vivre normalement. J'avais tout le temps peur de faire des attaques de panique et de perdre le contrôle de moi-même. Voilà, d'être un danger pour moi, d'être un danger pour les autres. J'avais donc des troubles digestifs, j'étais tout le temps en train de chercher des toilettes, ça m'empêchait de prendre les transports en commun, ça m'empêchait de faire des courses, d'aller au supermarché, voilà, et de faire la queue à la caisse. Ça m'empêchait même de parler à des inconnus. Dès que je voyais des gens que je ne connaissais pas, ben j'étais pétrifié, j'ai dit tiens. Là, donc vous pouvez d'abord voilà, fermer les yeux, prendre trois grandes respirations avant de vous laisser aller. Et quoi qu'il se passe dans votre corps, vous pouvez vous laisser aller, à laisser votre esprit rentrer plus profondément en transe. Et je vais décompter de 10 à 0. Léger, très léger. Léger, tranquillement. Et votre esprit qui vagabonde, qui virevolte, et qui à un moment donné peut s'arrêter sur une pensée, un souvenir, ou un endroit particulièrement agréable. Le corps est ici et maintenant, et l'esprit est là-bas. Vous pouvez découvrir tout ce qu'il y a autour de vous, partout les sens. Les troubles anxieux, comme les autres troubles psychiatriques, sont généralement vus de façon très négative par la population, du moins en France. Souffrir de troubles psychiatriques, c'est associé au fait d'avoir une faiblesse psychologique, de pouvoir être dangereux aussi. Il n'y a pas trop de distinction finalement entre tous ces troubles-là. Et les patients sont, la plupart du temps, ont honte de souffrir de troubles psychiatriques, ont honte de souffrir de troubles anxieux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à gérer leur anxiété. Et c'est mal vu d'en parler. Votre corps et votre esprit s'apprêtent à revenir complètement ici et maintenant, tout en restant calme et détendu. Bonjour. Thank you.
Je crois que j'ai souvent déconcerté mes enfants. J'ai aussi un beau-fils d'un précédent mariage. Je pense que mes enfants ne devaient pas comprendre. Pas plus que mon ex-femme d'ailleurs. Elle disait, tu fais quoi là? On faisait que s'écharper, et puis on a divorcé. C'était vraiment terrible. Moi-même, je ne me comprenais pas. On réagissait sur le même mode et on se disputait. On aurait dû discuter de nos angoisses, on partageait la même peur. C'était explosif. Aujourd'hui, quand je me rends compte qu'il fait une crise d'angoisse ou qu'il change de comportement, je m'inquiète plus parce que je sais ce qu'il en est. J'attends que ça passe et j'évalue la situation. Si la crise est très grave, je rentre chez moi ou je fais autre chose. Mais je ne m'adresse pas directement à lui parce que je sais que ça risque d'être oppressant pour lui. Dans ces cas-là, il faut le laisser seul et les choses se calment assez rapidement. C'est ce livre-là? Ouais, je l'ai à la maison. Je ne l'ai jamais lu. Pourquoi? T'as plus de force? J'y arrive plus. C'est l'âge. Oui, c'est ça. Tu es la plus belle. Tu l'as tournée? Oui. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas ses crises d'angoisse. C'est plutôt la manière dont il a géré la situation. Il est vraiment allé au fond des choses pour mieux les comprendre. Et il en parle ouvertement. Toute cette dimension psychique et émotionnelle, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. On parle souvent et franchement de ce qu'on ressent. Ça facilite aussi ma relation aux autres en général. Un monde vis-à-vis duquel je gardais mes distances s'est ouvert à moi. J'ignorais qu'on pouvait y réfléchir activement. En fait, il y a beaucoup de patients qui sont très... Ils veulent des résultats immédiatement. Et quand ils n'en ont pas, ils considèrent que c'est un échec. Et donc, du coup, ils se dénigrent. Et alors, ils arrêtent tout d'un coup. Alors qu'en fait, parfois, le changement prend du temps, en fait. On s'en sort, mais il faut se donner le temps. Quand on pense que tout ça vient de la peur de mourir, alors que sans amour, on meurt. Sans manger, aussi. Si on est attaqué par un monstre ou un tigre, c'est pareil. Tant de choses ou de situations dangereuses peuvent causer notre mort, mais on finira tous par mourir un jour. On est comme ça. On vit avec nos angoisses, jusqu'à notre dernier souffle. Quand et comment on va mourir, peu importe finalement. Je peux même envisager d'aborder la mort avec le sourire.